Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire que je serai présent à la Paris Games Week, donc vendredi après-midi et samedi. Voilà, malheureusement, je serai seul, Lady pourra pas m'accompagner parce qu'elle vient de commencer un nouveau boulot et vraiment un très bon boulot, on peut pas louper l'occasion. Donc elle ne sera pas là. Là, vous voyez, j'ai le bonnet, je vais tout juste aller chez le coiffeur pour me faire beau pour vous, les gars. Et puis, vous voyez, j'ai encore les cernes, je vais essayer de me reposer un petit peu, on a traîné un petit peu cette nuit, je suis en vacances, donc voilà. Mais ça ira mieux vendredi. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, on sera présent vendredi et samedi. Je serai accompagné de deux potes. Vous connaissez sûrement, pour ceux qui sont sur les lives, Moxie et Kings. Donc voilà, Mox et Kings. Donc ça fait plaisir. Je vais les rencontrer aussi pour la première fois. Donc c'est une très belle occasion également. Pour ceux qui veulent savoir où on est, je vous invite directement à nous suivre sur Twitter. Donc Zombie Factory. Et vous suivez. Et puis je mettrai des petits tweets. Je suis sur tel stand ou tel stand. Voilà, je ferai un petit tour un petit peu partout. Hein. C'est la première fois que je vais à la Paris Games Week. Donc je tiens à visiter un petit peu tout le salon également. Et voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Franchement, bah, je pense qu'on va bien délirer ensemble. Il y a moyen qu'on passe des bons moments. Je vais essayer de filmer un petit peu ma rencontre avec quelques-uns d'entre vous. Voilà, et vous inquiétez pas, ça fera autant bizarre à vous qu'à moi. J'ai déjà rencontré quelques abonnés, mais voilà, c'était un par un. Là, je pense qu'il y aura un petit peu plus de monde quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Il n'y a pas de problème, les gars. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer l'ouverture d'un colis qu'on a reçu de la part de Bungie. Donc c'est un colis, vous allez voir, avec le thème de l'Argentum et de Tess Everis. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à venir me voir à la Paris Games Week. Et pour ceux qui n'y vont pas, eh bien je vous ferai une petite vidéo condensée pour voir ce qui s'est passé. J'espère vous rencontrer dans une prochaine occasion. À très bientôt les potes, prenez soin de vous, tchuss. Et voilà les potes, comme je vous l'ai dit, on a reçu un colis de chez Bungie. Et notamment c'est Activision Angleterre qui nous l'a envoyé. Donc allez, je vais l'ouvrir avec vous, je m'attends un petit peu plus loin. Alors voilà, ce colis avec là, vous avez, vous reconnaissez le logo de l'Argentum, hein, la nouvelle monnaie qui arrivait directement sur Destiny. Allez, je vais pas traîner, je vais l'ouvrir. Donc là, vous voyez un petit mot de la nouvelle entreprise, du mal à le sortir, disons, la nouvelle entreprise Eververse. On retrouve également là le logo de l'Argentum, voilà. Avec au dos, voilà, il y a un petit mot en anglais. Alors, je vais pas tout vous lire parce que vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs mots en anglais. Mais c'est bien signé Tess Everis. Donc voilà, en gros, elle signe son retour avec la nouvelle monnaie, l'Argentum. Ça, vous êtes tous au courant. Ensuite, hop, on a cette espèce de petit... Hop, alors avant, voilà, on a cette enveloppe-là. Et on a autre chose, on a également ça. Vous voyez, en fait, c'est deux petites pièces d'Argentum, pardon. Donc là, vous voyez, en fait, c'est des petits objets collector, hein, des petites pièces, vous voyez un petit peu, elles sont... Voilà, c'est assez sympa, voilà, ça reste toujours un objet collector. Hop, donc voilà, c'était avec. Et on avait également ce petit courrier qui est marqué du sceau de Bungie, hein, donc de Destiny, hein, donc l'emblème Destiny. Et on retrouve ici l'emblème de l'Argentum. Hop, allez, je vais ouvrir ça. Tac. Et voilà, donc en fait, à l'intérieur, vous retrouvez... différentes images. Donc là en fait quand vous retournez, vous vous rendez compte que c'est des cartes postales. Il y a même un vrai timbre, hein. C'est vraiment un vrai timbre avec un vrai sceau directement derrière. Franchement c'est super stylé, c'est un vrai timbre, hein. Je sais pas si vous voyez un peu le relief, vous le voyez un petit peu. Et donc c'est signé Tess Everis. En gros, bah, ça nous explique que Tess Everis, était absente et qu'elle était partie en fait directement en voyage. Donc là vous voyez sur les anneaux de Saturne, là vous la voyez en soirée, voilà, directement avec un capitaine. Voilà, toujours signé Tess Everis, avec toujours un timbre et tout. Vraiment, c'est très très joli. Là, elle est en train de prendre un petit café, on ne sait trop où. Ça ressemble un petit peu au cuirassé, rapidement. Voilà, hein, toujours avec ce timbre et signé Tess Everis. Alors, je vais pas tout vous lire en anglais. Si vous voulez, je peux prendre les photos et je vous mettrai les liens des photos dans la description. Ça sera un peu plus simple pour vous. Comme ça, vous pourrez traduire si vous le souhaitez. Vous entendez au passage derrière, je pense, les pas du chien qui est en train de marcher sur le parquet, c'est super. Voilà. Et la dernière photo, donc là, c'est peut-être Phobos, voilà. Enfin, on voit pas trop ce que c'est. Mais c'est toujours Tess Everis, il y a toujours un petit mot derrière. D'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir que le mot n'est jamais le même. Donc voilà, je vous mettrai directement le lien. Je vais prendre en photo, hein, directement ces textes derrière. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. En tout cas, voilà, ça fait vraiment très plaisir de recevoir ce genre de petits colis. C'est toujours des objets assez collector. Et voilà, nous qui sommes collectionneurs, ça nous fait vraiment très plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me voir à la Paris Games Week. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss!